Collectionner d'argent pour moi quoi. Nous sommes dans les monts d'Arrée, un pays d'accueil et de terre fériche où les gens sont très accueillant, solidaire et vrai. C'est Renaud. Non, c'est tout. Bonjour, nous sommes à Lafuyer, un petit village des Monts d'Arrée au centre Bretagne, où il y a beaucoup de solidarité, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Tous les gens qui se sont mobilisés pour offrir un nouveau quad à Gino suite au vol de son précédent quad. Voilà, ça montre qu'il y a encore de l'humanité sur cette terre, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre dans les médias. Il y a encore de l'espoir. Je sais pas, c'est peut-être une carte de résistance aussi. Donc je pense que pour ça, c'est un pays très solidaire. Ça fait chaud au cœur. Point. Ah, c'est bien. Je le connais, ce mec-là. Ben, il est là. Il est là. Largement dans la culture. Voilà, tu peux prendre ce livre parce que moi je l'ai déjà porté, donc ça a double la valeur là. Voilà, bienvenue à la fête. Maintenant j'ai un quad où je peux me trimballer à deux. Et du coup ça me redonne une autonomie retrouvée grâce à tout le monde ici présent. Dans ce coin de Bretagne, et partout d'ailleurs en Bretagne, il y a une solidarité qui est naturelle et qui s'est créée pour aider les gens du coin, les gens qui ont besoin. Je pense que cet élan de générosité va pouvoir développer par la suite d'autres systèmes d'entraide pour d'autres gens, d'autres amis ou des gens qui sont réellement aussi dans le besoin. Parce qu'on est dans une région sympa mais sauvage et beaucoup de gens ont besoin d'aide en dehors de moi. Donc on espère tous que quelque part ce mouvement va perdurer dans le temps. On a toujours ici eu une certaine idée de la solidarité quand j'étais jeune. Ça fait longtemps, hein, j'ai 92 ans.
Il y avait les paysans, par exemple, avaient créé une espèce de coopérative qui n'existait pas ailleurs et qui permettait, quand un paysan perdait son cheval, et Dieu sait si c'était vraiment le tracteur du pauvre et du paysan à l'époque, il n'y avait pas de tracteur. Toute la population, enfin les cultivateurs, se cotisaient pour lui payer un cheval. Parce que sans cheval, on ne pouvait rien faire. C'est la première idée de la solidarité que j'ai connue à La Feuillée. Tous les gens qui sont là, c'est pour une grande famille. C'est vraiment, on se connaît tous. On a tous notre talent, ce qu'on a exprimé, chacun du matériel, d'autres des marionnettes, d'autres de la musique, et on l'exprime là. C'est gratuit. On habite dans les Monts d'Arrée, pourquoi? Parce que c'est un coin super calme, qu'on adore. Que les gens ici ont du cœur, on n'est pas en ville, et c'est de l'amour, et voilà, tous les gens qui sont ici. Et Gino, on l'aime. Les gens d'ici ont aussi besoin de se sentir vrais, utiles et serviables. Et qu'on est toujours prêts à tendre une main à quelqu'un, parce que c'est tout simplement l'esprit des Monts d'Arrée. Et que moi, je ne suis qu'un premier exemple de cette générosité des gens du coin. Ici pour aider Gino pour la quote. Je m'appelle Guy Denning et mes amis artistiques sont là. Tous les travaux là, c'est donné pour le tombola pour la quote pour Gino. Mais nous sommes venus ici il y a 10 ans maintenant et je reste ici parce que j'aime l'esprit de la jeune. C'est comme l'esprit de la jeune. Dans la Viège, en Angleterre, dans le sud-ouest d'Angleterre, quand j'étais jeune. Mes émotions, elles sont indescriptibles, tellement un élan de cœur et de force que je suis complètement bouleversé dans des grandes émotions de joie. Comment ça peut me détendre quand je vois l'ampleur de la fête, les gens qui sont là, mes amis, mes nouveaux amis et la bonne humeur du coin.
ici, c'est la toile de Contat. Et autour de Gino, il y a une belle, belle communauté. Il a voyagé beaucoup, bien avec son handicap. Il a eu une vie très, très difficile. Mais depuis très longtemps maintenant, il est à l'atelier dans les Monts d'Arrée. Je t'aime, nous tenons. Et merci pour cette occasion gay et jolie pour tout le monde qui se célébrer cette assemblée en ton honneur. Voilà. Merci Gino.